très bien. Oui, très bien. Super. Du coup, nous, vu qu'on crée des courts-métrages ou des jeux vidéo, on cherche surtout des gens pour faire du son pour nous. Et du coup, on a contacté le MAF pour nous aider. C'est ça, nous, on cherche des projets. En fait, je vais répéter ce qui a été dit. des projets à mettre en musique, à sound designer. Et du coup, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. En ce qui me concerne, ce sera du jeu vidéo, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et nous, on a trouvé quelqu'un pour faire le sound design et la musique pour notre projet d'animation. C'était plutôt cool. Médiéval, horreur. En fait, un peu tout. Enfin, il n'y a pas vraiment de style. Ce qui se passe dans l'espace. Voilà. Moi, c'est un projet d'animation 3D, donc c'est l'histoire d'un chien qui se fait, entre guillemets, abandonner devant une garderie pour chiens et qui part pour retrouver son maître et partir en vacances avec lui. En gros, c'est ça le pitch de notre projet. En général, quand je suis pris sur un projet, je vais écouter beaucoup de choses autour de l'univers qui m'est demandé, surtout si ce sont des esthétiques que je ne connais pas forcément. Après, dans mes inspirations, j'aime beaucoup. À la base, je suis musicien de jazz et classique, donc du coup, ça part de là. Mais beaucoup de musique m'intéresse. La seule musique que j'écoute pas trop, c'est le métal. Mais sinon, tout reste là. Même si je trouve ça intéressant quand même. Moi, je me base, surtout par rapport à ce qu'on voit, vu qu'on est dans de la 3D, on regarde beaucoup autour de nous. Et après, on suit pas mal de gens sur Instagram, ArtStation, pour voir un peu ce qu'ils font, se baser dessus et voir tous les styles qu'on peut avoir pour nos projets. Et on se base par rapport à ça aussi, surtout. C'est la journée n'est pas terminée, mais c'est déjà très cool, ici. Ouais, moi j'ai trouvé ça cool de pouvoir rencontrer d'autres gens, d'autres écoles, et qui font des choses différentes, mais qui peuvent avoir une vision plutôt différente sur nos projets et nous apporter des choses concrètes.